La Bible prédit une prochaine guerre mondiale et une période de tribulation au cours de laquelle seront exterminées 2 milliards de personnes. Si vous croyez à l'interprétation littérale de la Bible, vous savez que la mort viendra de la guerre, des famines, de brusques changements climatiques et de tremblements de terre violents. Sans aucun doute, nous allons tout droit vers Armageddon. Nous venons d'atteindre le dernier chapitre de l'histoire humaine. Ce fait est confirmé jour après jour par les médias d'information, journaux innombrables, revues, radios et télévisions. Ma prière est que le film que vous allez voir prouve très clairement à chacun de vous l'évidence du prochain retour de Jésus-Christ et du royaume de Dieu. La Bible annonce clairement que beaucoup d'entre vous se moqueront du message que ce film projette. J'ai commencé à travailler avec les jeunes délinquants et les drogués il y a 15 ans. Ma paroisse, c'était les arrière-cours et les ruelles des ghettos de New York. Mais les choses se sont aggravées depuis ce temps. Le fléau de la drogue a gagné du terrain, il sévit jusque dans les villages, de plus en plus d'adolescents deviennent alcooliques, et l'étoffe même de la société semble s'effilocher de partout comme un vieux vêtement. À l'heure actuelle, il n'y a pas que les chrétiens qui osent prédire la fin du monde, telle que prophétisée par la Bible. La revue Time y a consacré des rubriques très documentées. Il y a beaucoup de savants reconnus, d'intellectuels, de behavioristes et de techniciens qui prévoient sérieusement d'assister à la disparition de l'humanité dans un avenir rapproché. Le message de ce film sera taxé de tentatives fanatiques pour convertir les incroyants. D'autres aussi le refuseront parce qu'ils parlent de colère et de jugement et qu'ils préfèrent ne voir que ce qui leur convient de la personne divine, son amour et sa miséricorde. Mais il existe un autre aspect de sa personnalité. Nous n'avons qu'à jeter un rapide coup d'œil aux Écritures pour le prouver. L'apôtre Paul a écrit « Connaissant la crainte de Dieu, nous persuadons les hommes ». J'ai la ferme conviction que nous entrons dans une période d'intense tribulation telle que l'homme n'en a jamais connue auparavant. On ne trouve que confusion de quelque côté qu'on se tourne. Le président des États-Unis nous semble tout aussi perdu que les dictateurs soviétiques ou chinois. Chefs d'État et hommes politiques agissent à présent comme si la situation était hors de contrôle et sont inaptes à expliquer ce qui se passe vraiment. Nous sommes devenus méfiants envers nos gouvernements, nos structures et nos institutions, et jusqu'à nos médias d'information. À partir d'aujourd'hui, ayez une Bible à portée de la main quand vous regardez la télévision. Et comparez chaque jour les dernières nouvelles avec les prophéties de votre Bible. La Bible prédit que dans les derniers temps, les hommes seront enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Des fous impies se soulèveront et proféreront des injures contre leur gouvernement. Ils diffameront avec violence les dignitaires de l'État. La sorcellerie ou abus de drogue deviendra épidémique. Un mouvement international de paix mobilisera des multitudes criant « paix, paix et sûreté ». Une fois de plus, on verra se reproduire ce qui se produisit au temps de Noé, un taux de divorce astronomique, de nombreuses populations suralimentées s'adonnant au manger et au boire. Un mode de vie blasé, trop luxueux, conduira à une exaspération de la sexualité, à la nudité et aux perversions de toutes sortes. Et finalement, on verra des homosexuels commettre des tueries massives et des viols d'innocentes victimes. La Bible, en outre, prédit que le temps de la fin verra des églises de Satan et un réveil de l'occultisme. Satan viendra comme un ange de lumière, cherchant à séduire, si possible, même les élus de Dieu. Émeutes, démonstrations, manifestations pacifiques, drogues, libération de la femme, disciples du diable, déluge de pornographie, festival rock, tout est depuis longtemps prédit dans le livre de Dieu. Voici quelques signes sur la route d'Armageddon. Une seringue, de la marie, des amphétamines, de l'acide, tout ce qui pousse cette génération à monter toujours plus haut jusqu'à en perdre la raison. L'usage illégal de la drogue est devenu le problème numéro un de notre jeunesse. Cette plaie sociale se retrouve maintenant jusque dans les plus petits villages. Il y a 15 ans, j'avais prévenu notre nation d'une prochaine génération de drogués.
bien peu alors avaient accepté de me croire. Mais aujourd'hui, des millions d'Américains font l'expérience de la marie chaque année. Marijuana, LSD, amphétamines sont devenus autant d'échappatoires au matérialisme et au vide de la vie moderne. Des milliers de jeunes gens tourmentés s'enfoncent de sales aiguilles dans les veines. Aucun expert dans le monde ne connaît le nombre exact de jeunes gens capturés par la drogue. Depuis 10 ans, le problème n'a cessé de s'aggraver. En ce moment même, des milliers de petits groupes font le cercle autour d'une seringue, fument de la marie ou avalent des capsules d'acide. Et personne ne peut dire où ce délire nous conduira. Des festivals de musique rock ont surgi un peu partout. Quelques 600 000 jeunes gens harassés se sont rassemblés pendant des jours entiers, par n'importe quel temps, pour fumer du pot, avaler de l'acide et se laisser emporter par la musique de leur groupe favori. Des millions d'enfants ont perdu tout espoir et s'abandonnent à l'extase de la drogue. Ils comprennent ce qu'est Armageddon parce qu'ils ont connu la solitude et le désespoir. Les étudiants sont descendus dans la rue, formant des émeutes contre leurs gouvernants. Le campus de l'université Berkeley est devenu un foyer de subversion contre les autorités. Les jeunes radicaux ont posé des bombes, saccagé, pillé, provoqué la police. Les gros titres de nos journaux ont sans cesse fait mention de violence, de haine et de sauvagerie. Nous l'avons vu, mais frappé d'incrédulité, nous ne l'avons pas reconnu. Les manifestations de jeunes furent bientôt suivies de troubles sociaux. L'anarchie est devenue maîtresse de la rue. Le mépris des lois nous a conduits vers un monde baigné de sang. La soif de justice sociale a dégénéré en destruction des biens privés et la haine raciale s'est répandue d'un océan à l'autre. Blancs et noirs se sont livrés au pillage. À maintes reprises, la police a été paralysée par des ordres lui intimant de laisser agir la foule. Certains travailleurs sociaux ont déclaré que les pillards ont le droit de s'emparer des biens que la société leur refuse. Les travailleurs de la construction, ceux-là même qui ont brisé des manifestations étudiantes, n'ont pas fait exception. Ils ont décidé, eux aussi, de régler leurs conflits dans la rue. Collets blancs et collets bleus se sont aussi mis de la partie. Sous les yeux horrifiés de leurs enfants, ces bons pères de famille ont commencé à faire la chose même que peu de temps auparavant, ils affirmaient avoir en horreur, manifester dans la rue. D'abord les étudiants, puis les noirs et enfin les travailleurs de la classe moyenne. Les manifestations les plus significatives de notre époque furent celles pour la paix. Des millions de personnes ont participé aux marches pour la paix. Ce n'est pas sans raison que la Bible a prédit à ce sujet « Quand les hommes diront paix, paix, et le mot d'ordre actuel est paix, alors une ruine soudaine les surprendra. » Puis vint le mouvement pour la libération de la femme. Des femmes tourmentées ont manifesté un peu partout pour l'égalité des droits. Ce mouvement a frappé le cœur même de la société, le foyer. Des enfants stupéfaits ont vu leur mère parader dans la rue comme des rebelles. 10 000 homosexuels ont défilé main dans la main sur la 7e avenue, affichant eux aussi qu'ils devaient être libérés. La recherche de la liberté ne peut conduire qu'au Christ ou à Satan. Des milliers de gens se tournent maintenant vers l'occultisme. Les médiums, les sorcières et les diseurs de bonne aventure sont devenus rapidement populaires. L'intérêt pour le satanisme est devenu incroyable. Des milliers de personnes ont participé à des séances occultes. Les adolescents sont particulièrement fascinés par le Ouija, le tarot, les horoscopes, la chiromancie et les livres sataniques. C'est ce que la Bible appelle l'abomination de la sorcellerie. Les prêtres de Satan ont à présent leurs propres églises où des convertis sont dédiés à Satan. Des liens démoniaques unissent les adorateurs du diable dans des mariages sataniques.
La Bible prédit que toutes ces choses n'aboutiront qu'à la dégénérescence et à la perversion de l'âme humaine. Nous récoltons une moisson de sodomie et de sadisme. Ce sont aujourd'hui les films pornographiques qui attirent les spectateurs. Les salles présentant des films dégradants sont bondées. Le viol, le sang, le sadisme et le meurtre y sont exaltés. Une épidémie de maladies vénériennes en est le résultat. De nouvelles maladies sont apparues et sont résistantes aux antibiotiques. Les médecins avouent avoir perdu le contrôle de la situation. Nous récoltons ce que nous avons semé. Une génération impie reçoit le salaire de ses œuvres. Jésus nous a dit qu'il y aura des famines et des tremblements de terre, mais que tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Traitez-moi de fanatique, si vous voulez, mais je crois que la famine s'abattra sur notre génération. Des millions d'hommes vont mourir de faim. Les années qui viennent nous réservent de terribles sécheresses, des inondations et des bouleversements de climat qui détruiront une grande partie de nos ressources alimentaires. Des hivers sans neige occasionneront de désastreuses récoltes. Et des famines en résulteront en Russie occidentale, en Inde, au Pakistan et dans tout le sud-est asiatique. En Afrique, ce sera probablement plus dur encore. Des millions d'hommes mourront de faim. L'Amérique verra ses réserves diminuer en grande partie à cause de la sécheresse et des inondations. Pratiquement le riz, le soja, le blé auront complètement disparu de nos réserves. La demande pour les céréales essentielles se fera chaque année plus forte dans le monde entier. Très vite aussi, notre génération devra faire face à l'augmentation vertigineuse de la population dans un monde qui ne la nourrit déjà pas suffisamment. La solution de rechange n'est pas près d'être découverte. Il y a déjà eu des sécheresses et des famines dans le monde, je sais, mais il y a cette fois une différence. Dans le passé, les hommes pouvaient rapidement se ressaisir avec une meilleure récolte. Mais hélas, nous n'avons pas cet espoir. Nous avons déjà fait face à de trop mauvaises années du point de vue agricole et la situation ne peut qu'empirer, puisque nous souffrons d'une surpopulation. C'est là la grande famine mondiale dont parle le prophète Joël dans son livre lorsqu'il proclame, pour les derniers jours, cette terrible prophétie. Hélas, le jour terrible, le jour du châtiment, est arrivé. La destruction viendra comme un ravage du Tout-Puissant. La nourriture sera enlevée de nos yeux. La joie et l'allégresse disparaîtront du temple de notre Dieu. Les greniers et les magasins seront vides. Les semences sécheront sous les mottes. Les bêtes feront entendre leurs gémissements. Les troupeaux seront consternés. Car en ce temps, les arbres brûleront dans les champs, le pâturage ne nourrira plus et l'agneau bêlera désespérément. De grands scientifiques prédisent la venue d'un monde de cauchemars, d'immenses pannes électriques, des blackouts, la pénurie de nourriture et d'énergie, la pollution de l'eau, du sol et de l'air. Ils ont découvert une nouvelle génération de germes, de virus et de vermines qui sont résistants aux poisons et aux produits chimiques. Tout cela risque de bouleverser l'équilibre de la nature. Nous connaîtrons ce jugement dernier dont la Bible nous a prévenus. La mer sera alors semblable au sang d'un homme mort, les fleuves et les rivières seront empoisonnés et nous verrons s'obscurcir le soleil. Et je voudrais vous dire que si ces prédictions vous semblent incroyables, elles commencent déjà, si l'on observe ce qui se passe dans le monde, à s'avérer justes. Par exemple, nous envoyons des médicaments et de la nourriture aux nécessiteux partout dans le monde. Mais ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. La famine est d'ores et déjà le premier facteur de mortalité. Les récoltes perdues placent des millions d'êtres humains devant le problème de la faim. Au Biafra et au Bangladesh, l'horreur dépasse tout ce qu'on peut imaginer. En ce moment même, des millions d'enfants meurent de faim. Le prophète Joël s'est écrié « Le feu a dévoré les plaines et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Les animaux sauvages crient aussi vers toi, car les torrents sont à sec et il n'y a plus de pâture. » Cette prophétie est en train de s'accomplir à la lettre. Des milliers d'hectares de terres arables sont en proie à la sécheresse,
Et tandis qu'inondations, tornades et ouragans détruisent les récoltes dans le sud, le nord manque de pluie. Malgré quelques améliorations récentes, la sécheresse n'a cessé, au cours des 10 dernières années, de s'étendre à travers le monde. Les files d'attente font leur réapparition. Si la situation s'aggrave, nous connaîtrons bientôt le rationnement d'essence et de certains aliments. La Bible prédit que Dieu jugera le monde par des périodes d'obscurcissement. Le mot blackout n'est déjà plus étranger aux habitants de New York, de Londres et d'autres villes importantes. La Bible prédit une extension incroyable du phénomène. Et ce n'est déjà plus du domaine de la fiction pour ceux qui travaillent à la chandelle. Des villes entières risquent d'être paralysées. La pénurie de pétrole peut entraîner une série de blackouts à travers le monde. Qui aurait cru qu'une crise de l'énergie nous précipiterait sur le chemin d'Armageddon? L'ultime guerre mondiale se fera pour le pétrole arabe. La présente pénurie de pétrole nous indique clairement cette direction. Voici un avion de transport supersonique. Plusieurs s'opposent à la pollution sonore de ses bangs. D'autres redoutent son influence sur l'atmosphère. Les hommes de science témoignent que si le SST modifie le niveau d'ozone terrestre de seulement 5%, nous sommes en péril, car une plus grande quantité de radiation solaire nous atteindront alors. Celles-ci peuvent causer de multiples cancers de la peau, entre autres dommages. Ces avions supersoniques peuvent hâter le jour du jugement. Les prophètes de la Bible ont décrit la pollution industrielle moderne comme étant un obscurcissement. Ils ont dit « Le soleil et la lune perdront un tiers de leur clarté ». Ajoutez à ce que nous venons de voir l'augmentation des éruptions volcaniques et vous pourrez facilement comprendre comment le soleil peut être obscurci et perdre un tiers de sa clarté. Tandis que des millions de personnes souffrent de la faim, nous laissons ces moutons mourir sous l'effet des radiations. Des poisons mortels répandus dans l'air et dans l'eau tuent des milliers d'animaux et malgré tout, la plupart des gens ne se donnent même pas la peine d'y penser. Et l'ange versa sa coupe au-dessus des océans, des fleuves et des rivières. Et ils devinrent comme le sang d'un homme mort et tout ce qui s'y trouvait mourut. Ceci fait partie de la vision de Jean au chapitre 16 de son Apocalypse. L'homme livré à lui-même détruira tout ce qu'il a touché, et c'est une indication claire sur la route vers Armageddon. Des super rats, immunisés au poison, infestent les réserves de céréales et transmettent de redoutables maladies aux êtres humains. Cet insecte, qu'on a surnommé abeille meurtrière, a fait son apparition en Amérique du Sud et menace maintenant d'envahir notre pays. Sa piqûre est presque toujours fatale. Des conditions climatiques anormales ont provoqué un déluge de moustiques et de sauterelles. Ils ont paniqué les troupeaux de certaines régions et les récoltes furent entièrement détruites. Cela deviendra un problème sans cesse croissant, alors que le monde ne peut plus se permettre de nouvelles diminutions de ses ressources alimentaires. La Bible prédit que ces plaies longeront la route vers Armageddon. On observe à l'heure actuelle des bouleversements climatiques qui battent tous les records mondiaux. Ouragans, inondations, tornades, orages et typhons sont de plus en plus fréquents. La plupart des gens sont inquiets de cette situation incontrôlable. La nature se déchaîne avec une violence jusqu'alors inconnue et je pense que ces événements sont comparables aux douleurs de l'enfantement. Et que plus la naissance du royaume de Dieu est proche, plus ces douleurs seront fréquentes et impitoyables. Il deviendra de plus en plus difficile de faire des prévisions météorologiques. Nous verrons les tornades apparaître brusquement, sans avertissement. De nombreuses régions du sud seront brutalement envahies par le froid. Par contre, certaines régions nordiques connaîtront au contraire des vagues de chaleur. Nous observerons des périodes de répit, et alors les hommes diront « Les choses sont telles qu'elles ont toujours été depuis le commencement.
Ainsi, il n'y a pas là de quoi s'inquiéter. Ceux qui pilotent des avions le feront de plus en plus dans des conditions extrêmement dangereuses. Les plus violents ouragans ne se sont pas encore produits. De nombreux points du globe connaissent les plus rigoureux hivers qu'ils aient eu à subir, en particulier l'Europe. Les fonds prévus pour le secours aux sinistrés finiront par s'épuiser. Nous verrons des compagnies d'assurance faire faillite. De nombreux fermiers auront à faire face à des catastrophes financières. Et les tremblements de terre, à eux seuls, peuvent absorber la totalité des fonds prévus pour les secours. Et il y a une limite normale à ce qu'un gouvernement peut fournir. La disponibilité des fonds n'est pas illimitée. Aussi, je pense que le temps viendra où les nations du monde réaliseront qu'il n'y a personne vers qui se tourner hormis Dieu. Vous ne croyez pas que ces tremblements de terre soient proches, à travers le monde et en particulier aux États-Unis? Eh bien, Jésus a dit, préparez-vous à ce que la terre tremble en de nombreux endroits. Dieu nous avertit aussi de la venue de cataclysmes, puis d'épidémies, de grêles, de violents incendies, d'inondations, d'éruptions volcaniques et de bouleversements climatiques. On a l'impression, en lisant certains gros titres des journaux, qu'ils ont été copiés selon les écrits de la Bible. Les météorologues, à l'heure actuelle, sont complètement déroutés par les caprices de la température. Et aucun de leurs instruments ne sera en mesure de découvrir la puissance surnaturelle agissant derrière la nature. Les bouleversements actuels du climat ont une cause surnaturelle. Le mauvais temps bat tous les records. Tempêtes et inondations ravagent le monde. Tornades et ouragans frappent avec une fureur incomparable. L'an dernier, près de 3000 tornades ont été signalées aux États-Unis. Plusieurs régions en sont maintenant atteintes pour la première fois. Les dégâts sont atterrants. La Bible prédit que les flots élèveront leur voix. Et je crois que cette voix est un avertissement. Le vent, les vagues et les flots sont orchestrés par Dieu pour avertir les hommes du jugement prochain. Les météorologistes font de leur mieux pour prévoir ces désastres et découvrir la cause de leur soudaine fréquence. Des mots tels que violent, hors saison, record et sérieux ne cessent d'apparaître dans les bulletins météorologiques un peu partout. Les raz-de-marée sont maintenant annoncés de façon presque routinière dans nos bulletins d'information. Les tempêtes en mer deviennent de plus en plus redoutables. Et la menace de gigantesques raz-de-marée se fait sentir. Les récents raz-de-marée ont fait échouer des navires de différentes nations. Leurs épaves sont là pour nous rappeler que la nature demeure encore la force la plus puissante sur Terre. Dieu contrôle cette force et il la relâche. Les tremblements de terre se font de plus en plus fréquents. Aujourd'hui, la menace d'un terrible tremblement de terre plane au-dessus de chacune de nos têtes. Tremblements de terre, contre-coups et séismes sont enregistrés presque tous les jours à travers le monde. Le récent tremblement de terre de Managua, au Nicaragua, a littéralement secoué la planète. En quelques instants, des milliers d'hommes furent tués. Le séisme frappa sans prévenir et détruisit la ville entière. Beaucoup n'ont jamais réalisé ce qui est arrivé. Ils ont été instantanément enfouis sous les décombres. Les hommes ne peuvent que reculer de terreur et d'effroi devant l'ampleur de la puissance divine. Je suis convaincu que ce récent tremblement de terre est un avertissement du ciel. Nous n'en sommes qu'au début, et les plus terribles tremblements de terre s'approchent. La Bible prédit que le soleil brûlera la terre par le feu.
Le soleil a déjà provoqué d'effroyables incendies de forêt tout autour du globe. Sous l'effet d'intenses vagues de chaleur, un arbre appelé eucalyptus a littéralement explosé en flammes en Californie. La fumée et les cendres de ces gigantesques incendies se répandent dans l'atmosphère et contribuent au dérèglement du climat. Je prédis que de tels feux de forêt seront de plus en plus fréquents à l'avenir. Le 23 janvier 1973, le sol s'est fendu dans le paisible village islandais de Vestmannaeyjar. Les villageois ont soudainement été bombardés par une pluie de lave et de feu, provoquée par une éruption volcanique. 5000 personnes ont dû être évacuées. Ils ont dit que c'était comme la guerre et l'enfer. Dans le tonnerre des explosions, le volcan projeta des cendres et des gaz toxiques à près de 10 000 mètres dans les airs. L'Antéchrist, apprend-on dans la Bible, engagera une guerre définitive contre Israël, rassemblant à la fin toutes les nations du monde. La plus grande guerre de toutes les guerres. Cette guerre sera sûrement causée par une crise mondiale de l'énergie. Donc une guerre pour le pétrole du Moyen-Orient. Il est possible aussi que l'on convoite les produits chimiques de la mer Morte. On utilise ces produits pour faire des explosifs, mais aussi parce que le monde connaît la famine, on a besoin de ces produits pour fertiliser la terre. La valeur de ces produits chimiques est estimée à environ $1 trillion. Combien de guerres ont été faites pour moins que cela? Au cours de la Seconde Guerre mondiale, de 1939 à 1945, plus de 54 millions d'êtres humains furent tués et des millions d'autres blessés sous les bombes ou paralysés pour la vie. Il y a quelque temps, nous avons eu le Vietnam, le Biafra et le Bangladesh. Notre génération a déjà connu l'horreur de plus de 65 millions de tués et d'environ 100 millions d'êtres blessés. Mais la Bible prédit qu'une dernière guerre mondiale aura lieu à Armageddon. Elle défiera toute compréhension. La Bible nous explique que les cieux seront en flammes et que les éléments embrasés se fondront intensément. Textuellement, la Bible dit ceci. Le jour du Seigneur arrivera assurément, aussi imprévu qu'un voleur. Alors les cieux s'ouvriront avec un terrible fracas. Les éléments embrasés seront dissous par le feu et la terre sera consumée avec toutes ses œuvres. Les armes d'aujourd'hui, comme nous le savons tous, sont capables de cette destruction décrite dans la Bible, l'anéantissement, tel l'holocauste des cieux, brûlant et détruisant un tiers de toute la végétation du monde. Vous savez qu'Israël, de même que les pays avoisinants, ont d'énormes et superbes arsenaux tout prêts à servir. Ils ont amassé des stocks de napalm, fusils, bombes, missiles et même des armes biologiques. Eh bien, remarquez que cette force suffirait à détruire tout ce qui vit à la surface de notre planète. La Bible prédit aussi que durant cette grande période de jugement, et de tribulation, les forces de Satan avec une armée forte de 200 millions d'êtres pourront exterminer un tiers de toute la population du globe. Aujourd'hui, cela peut signifier 2 milliards à peu près de personnes tuées. Une telle horreur, j'avoue qu'on a peine à l'imaginer. Notre dernière guerre mondiale, la deuxième, a tué 54 millions d'êtres. Eh bien, cette guerre de la fin du monde en tuera 37 fois plus. C'est horrible. Si horrible qu'il est sûrement difficile d'arriver à l'imaginer. Le chemin vers Armageddon est indiqué très clairement. Il est parsemé d'indications qui nous conduisent toutes vers Israël, dans les plaines de Megiddo, là où toutes les nations se rassembleront pour une dernière guerre mondiale. Le monde est à l'heure actuelle un vaste dépôt d'armes. Cette cartouche est sur le point d'être mise à feu. La mort et la destruction suivront. La Bible dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. La fin sera la guerre d'Armageddon. Et déjà les préparatifs de ce dernier conflit mondial sont en cours. Cette guerre peut très bien éclater à la suite d'un mitraillage ou d'un bombardement accidentel. Nos bombardiers ont largué des millions de tonnes de bombes sur les objectifs ennemis. Nous avons aussi bombardé des innocents par erreur. Nous avons perdu des millions des nôtres. Notre nation a été divisée et l'horreur de la guerre se perpétue toujours en Indochine.
Ce sont les enfants qui ont souffert le plus. Comment peuvent-ils comprendre leur foyer détruit, leurs frères, leurs sœurs, toute leur famille dispersée, ceux qu'ils aimaient brûlés vifs au napalm? Et ce n'est pourtant qu'un avant-goût de la destruction prédite par la Bible à Armageddon. Pouvez-vous imaginer l'impression produite sur de jeunes enfants par une telle scène? Des cadavres empilés sur la place publique. Une exposition des corps de soldats ennemis démantelés, jetés à la pelle dans un camion pour être déversés dans une fosse commune. Armageddon attirera dans la bataille la puissante armée chinoise composée de plus de 200 millions d'hommes. Vous voyez ici un film chinois montrant l'entraînement de millions de jeunes gens mobilisés en vue d'une guerre éventuelle. La Bible dit qu'à Armageddon, le sang coulera jusqu'aux morts des chevaux. Les cavaliers semblent archaïques, mais la Chine communiste a mis sur pied un nombre aberrant d'unités de cavalerie, prêts pour la bataille. La Bible nous affirme que des essaims de cavaliers seront anéantis au cours des sanglantes batailles d'Armageddon. La Russie précipitera cette grande guerre finale. Son symbole biblique est l'ours. Cet animal sauvage aura une grande soif de pétrole. Il cherchera à dévorer le petit État d'Israël. La Russie est un véritable arsenal. C'est une nation prête à attaquer à tout moment. Si vous croyez votre Bible, vous savez que les armées russes se lèveront contre le peuple choisi de Dieu et se heurteront à une intervention surnaturelle. Les dirigeants du monde communiste l'ignorent peut-être, mais ils ont un rendez-vous avec le destin à Armageddon. Tandis que la Chine et la Russie se préparent à la guerre, observez bien Israël. Cette nation née en mai 1948 a fleuri comme une rose dans le désert, tout comme la Bible l'avait prédit. Aujourd'hui, Israël doit faire face à une nouvelle menace. Les armées ennemies veulent une fois encore piller ce pays. Cette fameuse armée de l'air israélienne a contribué à l'anéantissement des forces égyptiennes et syriennes en seulement 6 jours. Elle s'est vantée que Dieu avait dirigé chaque balle et chaque bombe. Voici l'une des récentes innovations qui pourra être jetée dans la bataille d'Armageddon. On l'appelle la guêpe. Équipée d'un fusil mitrailleur, blindé, elle peut devenir une arme redoutable. Une armée équipée de milliers de ces guêpes peut s'abattre sur l'ennemi et le détruire. Je crois que toutes les ressources de la technologie humaine, y compris les bombes nucléaires, seront utilisées dans cette guerre. Le prophète Jean a vu dans son Apocalypse une arme qu'il a décrite comme des sauterelles. Leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient les cheveux comme des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Et ce n'étaient pas des armes de paix, mais de guerre. Le prophète Isaïe a dit, « On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour effrayer la terre. » Et c'est ce qui se produit déjà. Les cavernes sont utilisées comme abris anti-atomiques. Et voici les lieux désignés pour la bataille. Tout en bas, dans les plaines de Megiddo. Ces frontières d'Israël sont patrouillées jour et nuit. Mais le jour de la bataille est proche. Et tandis que les hommes crieront paix et sûreté, une ruine soudaine s'abattra sur eux. Les collines, les montagnes et les plaines trembleront au bruit de la guerre la plus sanglante et la plus coûteuse de tous les temps. C'est ici, en Israël, que s'écrira le dernier chapitre de l'histoire. Minuit s'approche à l'horloge du monde, et c'est ici qu'aboutit la route vers Armageddon.
J'aimerais vous faire part de quelque chose qui m'est arrivé et que je considère comme très personnel. En avril récemment, j'ai eu une vision. J'en ai eu seulement deux dans ma vie. La première m'est venue il y a 15 ans. À cette époque, elle m'a conduit dans les bas-fonds de New York, chez les drogués. Chaque détail de cette vision est arrivé par la suite. La seconde vision m'est apparue il y a à peine quelques mois. Elle fut si horrible, si bouleversante, que je n'ai pas voulu en parler. La plupart des gens m'auraient traité de fou, bien fanatique. Mais j'ai entendu les nouvelles à la radio il y a une heure environ, et j'ai pensé aussitôt qu'il fallait que je raconte ce que j'ai vu. Et peu m'importe d'être considéré comme fanatique. Il faut que vous sachiez ce que fut cette révélation. J'ai vu cinq catastrophes s'abattre sur ce pays, ainsi que sur le monde. J'ai vu s'abattre en premier lieu une récession économique qui affecta le niveau de vie de pratiquement tous les salariés de notre pays et du monde. J'ai vu les principales cartes de crédit en péril. J'ai vu, entre autres, plusieurs de nos solides institutions courant à la débâcle, et même des églises bien assises. Vous devez savoir, ami, que cette récession économique arrivera juste après un temps assez court de très grande prospérité. Ceux qui croient ce message, je vous le dis, feraient bien de se préparer. Ne dépensez plus inutilement. Il est urgent, à présent, de savoir se préparer. Voici ensuite ce qui m'est apparu dans cette révélation. La terre trembla. Il y eut une secousse sismique si puissante aux États-Unis que des gens furent tués par milliers et les dommages se chiffrèrent par millions. Il y eut des secousses dans d'autres parties du monde qui semèrent la désolation et se terminèrent par la famine. Je sais que l'on a souvent prédit des tremblements de terre de toutes sortes, mais celui qui m'a paru se produisit là où on l'attendait le moins. Et je dois vous dire qu'il fut si violent que ceux qui dévastèrent San Francisco ressemblaient à de petites secousses en comparaison. En vérité, tout le monde ne parlait que de cette malheureuse tragédie dont la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Donc, voilà ce que j'ai vu, en deuxième lieu. Ce que je vis ensuite et qui me fit très peur fut une nouvelle sorte de problème. Ce ne fut pas, même si cela avait trait à la jeunesse, la drogue ou l'alcoolisme, mais une véritable haine des parents. Voilà, mes amis, le problème futur de la jeunesse. Les pires ennemis de l'homme, il les trouvera dans sa maison. De nombreux jeunes, à l'heure actuelle, à cause de leur amertume et de leur haine, ont précipité la mort de leurs parents, et j'ai pu noter au cours de mes récentes croisades que plus de 60% des enfants qui s'avancent vers moi maintenant déclarent « Je hais mes parents ». Et cela est confirmé par la Bible. Voilà, quant à la quatrième, ce fut un déluge de perversion en Amérique. La prédiction du prophète Nahum s'accomplissait. En effet, il a dit « Dieu ordonna une abominable perversion sur la terre ». J'ai vu des films considérés comme pornographiques présentés après minuit sur un poste de télévision. Eh bien, je vous le dis, mes amis, cela veut dire que votre enfant peut ouvrir la télévision et tomber par hasard sur un de ces films sordides de sexe inimaginable. Alors, vous rendez-vous compte à quel point cela peut affecter la vie de votre enfant? J'ai prévu la nudité à la télévision. J'ai prédit également, il y a 9 ans, le mouvement de Jésus. Je l'ai dit mot pour mot, cela a été enregistré. Et le Monokini, en Californie, il y a 8 ans environ. Puis j'ai aussi prédit que la perversion et la nudité seraient présentées à la télévision. Tout cela est absolument vérifiable. Vous pouvez le croire, mes amis. J'ai vu des kiosques submergés par la débauche et qui transformaient Playboy en un journal timide en comparaison. Eh bien, je dois dire que j'ai trouvé cela révoltant, en vérité. J'ai vu ces photographies pornographiques de rapports sexuels entre des humains et des démons. Et voilà la nouvelle mode. À l'avenir, nous verrons se mêler sang et sexe, et puis sang et violence. Les péchés qui ont été à l'origine de la chute de Sodome se reproduisent à nouveau. Je me rappelle, il y a juste quelques semaines, avoir prédit que le nouveau péché qui apparaîtrait à l'avenir sur les gros titres serait les meurtres commis par des homosexuels. Et bien, le jour suivant, on a découvert l'affaire de Houston. 27 jeunes garçons que la police retrouva sauvagement assassinés par des homosexuels. Mes amis, écoutez ce que la Bible dit. Ainsi en fut-il au temps de Lot, ainsi en sera-t-il au temps de la venue du Fils de l'homme. Je suis absolument convaincu d'avoir vu la vérité. J'ai vu des homosexuels en bande se promener dans les rues et molester de tout jeunes garçons. Nous le verrons bientôt dans les journaux. La cinquième catastrophe m'impressionna plus que tout autre, parce que personne ne peut imaginer qu'une telle chose se produise en notre époque de liberté religieuse. Mais j'ai vu une heure de persécution terrible dirigée contre les élus, le peuple de Jésus. Et je prédis que tout commencera par la persécution des catholiques charismatiques par leur propre Église. Je suis persuadé que Dieu est l'initiateur de ce réveil spirituel au sein de l'Église catholique. Mais le Seigneur m'a révélé que beaucoup de catholiques seraient parfaitement hostiles à celui-ci. La persécution en masse
viendra frapper de sa fureur le peuple de Jésus. C'est ce que j'ai vu, mes amis. Cela débutera alors par des moqueries virulentes à la télévision, des comédies qui continuellement tourneront en ridicule Billy Graham, Oral Roberts, Catherine Kuhlman. Le souverain pontife à Rome n'y échappera pas non plus. Les chaînes de télévision sembleront se disputer, rivaliser entre elles pour voir qui pourra anéantir toutes les traditions qui sont sacrées en Amérique. Nous verrons surgir des clubs de haine contre le Christ dans nos écoles. Ils arracheront même la Bible des mains de nos enfants et ils les traiteront méchamment et s'en moqueront ouvertement. Ceux qui participent au financement des postes de radio et de télévision chrétiens subiront des pressions. Tous ceux qui prêcheront la parole du Christ à la radio et à la télévision connaîtront des persécutions et le harcèlement. Je prévois que bientôt les églises seront taxées, cela ira tout doucement. Mais on leur imposera un jour des taxes monstrueuses qui affecteront même les programmes d'émission dans le monde. Et je vous dirai que ces cinq fléaux m'ont effrayé à un tel point qu'alors je me suis agenouillé devant Dieu et que je l'ai prié pendant 2 semaines entières. Je lui ai dit, Dieu, si tout ce que nous entendons à la radio et voyons à la télévision chaque jour doit nous conduire à Armageddon, alors il faut que j'en parle au monde. Et c'est pourquoi je devais faire ce film. Je ne pouvais conclure ce film sans avoir partagé cette vision avec vous. Et je n'achèverai pas non plus sur une note négative, parce que lorsque j'ai eu cette révélation, je dois dire que j'ai été tellement terrifié que l'angoisse a saisi mon âme et que j'ai dit, Seigneur, comment pourrais-je faire face à l'avenir? De quelle façon dois-je agir pour partager ce terrible message? Parce que personne ne veut penser au jugement dernier. Des problèmes multiples préoccupent les gens. On vend, on voyage, on bâtit, on plante, on achète. Si je viens leur parler de la fin de notre monde, ils riront de moi. Mais croyez-moi, Dieu m'a fait don d'un magnifique message d'espoir pour tous les chrétiens. Il se trouve que j'ai reçu ce message sous la forme d'une phrase de 7 mots, simplement quelques mots. Et pourtant, il y avait tant d'espoir et de joie dans ces quelques mots que je ne peux terminer sans vous en faire part. Dieu contrôle toutes choses en ce monde. En ce qui concerne le chrétien, il doit lever les yeux vers le ciel et puis se réjouir parce que sa rédemption s'approche. Le dollar tombe, l'or s'écroule, qu'importe. Et qu'importe aussi qu'il y ait chômage, tremblement de terre, ainsi que grêle, famine et maladie. Je suis convaincu que nous n'aimerons pas le voir et que nous ne pourrons pas combattre cela. Mais quant au chrétien, il demeurera à l'écart et se rappellera que Dieu commande tout cela, que toutes ces choses ont été orchestrées par Dieu. Et il pensera, ma rédemption arrive, Jésus vient vers moi. Je sais que tout ce que j'ai prêché depuis toutes ces années conduit à la dernière génération, nous sommes les derniers chrétiens. J'avoue qu'il m'est égal de savoir que vous, n'importe qui d'autre, me croit ou ne me croit pas. Dans les rues, la plupart des jeunes me croient et partout au monde. Ceux qui vivent en communion avec Dieu et qui prient, ceux-là savent que nous avons atteint cette heure. L'heure du jugement, le temps est court. Et je sais où j'en suis, mes amis. J'ai vu ces choses et j'ai compris que c'est une grande victoire et je m'en réjouis. Je ne suis pas triste. Je n'ai pas peur, voyez-vous. Jésus a dit, réjouissez-vous, et c'est exactement ce que je fais. Mais tous ceux qui ne sont pas prêts en ce moment devraient éprouver la crainte de Dieu, puisque la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et maintenant, alors que je vous parle, peut-être que vous n'arrivez pas à reconsidérer toutes ces images et à vous réjouir. Peut-être qu'au fond de votre cœur, vous avez peur, ou bien vous me traitez de fanatique, et peut-être m'en voulez-vous de prédire la colère divine et le jugement. Ou alors vous vous dites, oui, mon Dieu, je crois, car au fond de moi, c'est la fin, je le ressens. Et en attendant, je veux m'y préparer. Vous venez de voir des exemples de la colère de Dieu et de son jugement. Pourquoi ne pas connaître sa miséricorde et son amour maintenant? Ouvrez votre cœur à Dieu. Et merci de m'avoir écouté. Dieu vous bénisse tous.